Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, même le samedi. Ce soir, chez vous, Annie Lemoine, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoine, Christophe Alévêque, Valérie Mérès et Christine Bravo. Tout cela pour accueillir notre invité d'honneur dans un instant. Sur ce plateau, nous recevrons Danny Boone à l'occasion de son one-man show à l'Olympia qu'il reprend à partir du mois d'avril. Nous recevrons aussi Christian Carambeu. Mais pour savoir qui de vous six annoncera Quel suspense. Vous avez compris, c'est l'heure du baillon fort. Tout le monde répond, on s'élimine au fur et à mesure. Voici la première question. Regardez bien, écoutez bien. Qui est arrivé 14 522e sur 17 886 participants aux 20 km de Paris dimanche dernier? Une mouette. Une mouette. Une mouette est arrivée 14 522e sur 17 886. Un poulet. Un poulet, encore ouais, mieux. Ça Jack Lang. Jack Lang, Jack Lang. Est-ce que c'est un homme? C'est un homme. L'abbé Pierre. Il y avait des femmes, hein, au 20 km. Ouais, bien sûr. Un sportif. Oh bah non, pas un sportif. Sportif, non. Un chanteur. Non. Un Bernard Ménez. Pardon? Bernard Ménez. Bernard Ménez. C'est un mauvais. Est-ce que c'était un homme qui avait deux jambes? Oui, mais un peu. Mais... Alors ça c'est une question. Alors là. C'est un présentateur télé? Oui. Alexandre Delarue. Jean-Luc Delarue, excellente réponse de Stevie Boulet. Stevie gagne l'immunité, vous ne pouvez donc pas l'éliminer. Les autres, évidemment, inscrivent celui ou celle qu'ils veulent éliminer. Christine, vous éliminez qui? Annie. Annie Lemoine, pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'aime pas. Christophe. Jean-Luc. Pourquoi Jean-Luc Lemoine? Parce que je l'aime beaucoup. Annie. Stevie. Ben non, bourrique. T'as pas le droit. Non seulement elle ne lit pas les infos, mais en plus, elle n'a encore rien compris au jeu. Christine. Bah, Christine, oui. Pourquoi Christine? Parce qu'elle m'aime pas. Jean-Luc. Moi, j'hésitais entre Valérie et Christophe, mais je voulais vous voter pour un moustachu. Voilà. Alors, à l'évêque. Et vous, Valérie? Annie Lemoine. Annie Lemoine. Parce que je trouve qu'elle n'a pas été une grande journaliste sur ce coup-là. Et Stevie? Moi, Jean-Luc. 1-2 Annie Lemoine, 2 Jean-Luc Lemoine, égalité. C'est donc Stevie qui choisit qui il élimine. Bah, Annie Lemoine. Et voilà. Bien fait, Annie. Alors, je n'ai pas fait exprès. J'étais sûre que je ne ferais pas comprendre. Question suivante. Écoutez bien. Un professeur d'éducation physique a été licencié d'un collège en Floride. Que proposait-il à ses élèves contre $1? Une clope. Non. L'amour. Une pipe. Non. De ne pas faire le cours. De sécher le cours. Excellente réponse de Valérie Mérès. Vous gagnez l'immunité. Je vais commencer. Attention, c'est inscrit par vous, Jean-Luc. Ben oui. Jean-Luc. J'arrive pas à l'effacer. Allez, mec. Christophe. Stevie, parce qu'il a sa carte à l'UMP. Christine. Stevie, parce qu'il m'a grillé à la question. D'avant, j'ai dit animateur télé, il a dit Delarue. Stevie. Christine. Christine. Valérie. À l'évêque, parce que je trouve que depuis un petit moment, il me regarde plus. Alors, égalité entre à l'évêque et Stevie, et c'est évidemment Valérie qui choisit. Bon, allez, je vais voter pour à l'évêque parce que Stevie a été gentil aujourd'hui. Vous éliminez Christophe, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Au revoir, Christophe. Écoutez bien, c'est un peu plus compliqué. Un film, Zayats nad Beznoy, fait actuellement un tabac dans les cinémas russes. Le scénario raconte une histoire d'amour improbable, mais une histoire d'amour entre qui et qui? Entre Christine Bravo et moi. Non. Non. Entre un homme politique et une pute? En tout cas, c'est entre un homme politique et quelqu'un. Ah. Entre Boris Yeltsin. Non, entre Poutine. Non. Et Albert de Monaco. Non, mais non. On s'est pas si loin que ça. C'est vrai. Ouais. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Et Gorbatchev. Non, avant. Staline. Non. Lénine. Non. Brejnev. Gorbatchev. Brejnev. Brejnev. Double bonne réponse de Jean-Luc Lemoine. Regardez, entre la reine Elisabeth II et Léonid Brejnev, il paraît qu'on voit Léonid Brejnev rejoindre la reine d'Angleterre en montgolfière. C'est rigolo, ça a un succès énorme en Russie et c'est une bonne réponse de Jean-Luc qui gagne l'immunité. Ah, merde. Christine, vous éliminez qui? Stevie. Pourquoi Stevie? parce que... Montre pourquoi, Stevie. Christine. Valérie.
Stevie. Pourquoi Stevie? Bah parce que j'avais le choix entre Christine et Stevie, puis Christine, elle me bat. Jean-Luc. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je vote contre les moustachus. Valérie. Alors ça, oui, c'est mais ça fait quand même deux Stevie. Merde. Au revoir, Stevie. Au revoir. Qu'est-ce qui a du poil aux pattes, est aveugle et n'avait encore jamais montré ses 15 cm? Stevie. Oh, Stevie. Non, c'est pas Stevie. Est-ce que c'est un animal? Non. Ah oui, pardon, oui. Une araignée? Pas une araignée. Mais un cygne? Non. Une mouche? Non. 15 cm au repos? C'est un crustacé quelconque, mais un crabe. Un crustacé, mais quel genre alors? On vient de découvrir une espèce de crustacé. Oui. Oui, je le sais. Vous avez une oreillette? Il y a quelqu'un qui vous souffle là ou quoi? Oui, c'est lui. Non. Il lui a soufflé. L'oreillette du Mans. Oh, joli. C'est un nouveau crustacé, regardez, le voilà. Et on ne l'avait jamais trouvé. Non. Non, mais c'est dingue, les chercheurs sont miraux, parce que si 15 cm, c'est beaucoup quand même. Enfin, c'est beaucoup. C'est raisonnable. Il n'existait pas jusque-là, ce nouveau crustacé qu'on appelle le Galatée Yeti. C'est une bonne réponse, de toute façon, que vous nous avez donnée, Christine. Vous gagnez l'immunité, Christine, bravo. Vous éliminez qui? Attention, Jean-Luc. J'essaie d'être constant. Valérie Mérès. Valérie. Bah, Jean-Luc, parce que j'avais pas le choix, j'allais quand même pas voter pour moi pour lui faire plaisir. Ça, c'est vrai. Vous, Christine? Je crois qu'elle pourrait éliminer tout le monde. Elle fait ça avec ses doigts, c'est dégueulasse. Et toi, tu fais ça avec quoi? Valérie. Avec mes 15 cm. Au revoir, Valérie. La grande finale opposera Christine Bravo à Jean-Luc Lemoine. Regardez bien, écoutez bien la question. À l'occasion de la journée des femmes, mercredi dernier, Michel Bruno Leroux, maire de Saint-Père-en-Retz, a fait la une du journal local. Mais pourquoi parle-t-on d'elle ce soir? C'est lié, il faut le dire, à son apparence physique. Ah, elle s'est rasée la moustache. elle avait... Quand vous allez savoir la réponse. Elle avait un poireau. Non. On a vu sa photo à la une du journal local et là on s'est dit... Elle est moche? C'est un transsexuel. Non. C'est ça, Michel, si tu nous écoutes. C'est le sosie de Christine Bravo. C'est le sosie de Christine Bravo. Excellente réponse. Regardez. C'est immonde. Comment ça, mais c'est vous? Ah non, mais je peux pas, je ressemble pas à ça. Oh, bon, mais enfin. Si. Mais si. Elle non. Est charmante, cette dame. Tu vois, quand je t'ai demandé si elle était moche. Non, mais c'est un gag. Mais non, c'est pas un gag. On a une autre photo d'elle. Regardez, vous lui ressemblez vraiment, voilà. Tout à fait. Ah, quand même, c'est dingue. La double vie, enfin, Christine Bravo. Ah ouais, c'est surtout le double menton, tu vois. Vraiment, c'est bien. Non, mais attends, elle le sait. Ah bah, elle doit signer des autographes. Non, elle doit être suicidaire. C'est monstrueux de se découvrir un sosie, tu vois. Putain, j'espère. Ça dépend du sosie, toujours pas. Papa, avec qui t'as couché? Non, parce que si ça se trouve, on est de la même famille. Ah, si ça se trouve. Quel âge elle a? Comme toi, 70. Elle le sait qu'elle me ressemble. Non, oui, elle ne le sait pas, elle le subit. En tout cas, c'est Jean-Luc Lemoine qui est le baillon fort. Et qui va se diriger vers le prompteur pour annoncer notre invité d'honneur. Allez-y, Jean-Luc. L'invité qui va maintenant venir s'asseoir à côté de Laurent, que soit dit en passant Jean-Merde, et... Je ne le pense pas, je ne le pense pas. Je ne sais pas qui est Chris Prompteur. C'est moche. Et quelqu'un que je connais bien. En effet, il y a 2 ans, alors que j'achetais des poireaux chez mon marchand, je l'ai rencontré et après avoir discuté 5 bonnes minutes sur le trottoir, nous avons fait l'amour comme des bêtes. Oui, sur le trottoir. Depuis ce jour-là, je lui envoie des SMS, mais il ne répond pas, ce con. Pour qui il se prend, je rêve? Mais il s'est vu avec son kawé, bouseux, va. Je n'irai pas voir Waika, son spectacle, ni son film La Doublure. Désolé, j'ai autre chose à foutre de ma vie. En plus, il en a une toute petite. Allez, SVP, on applaudit tout doucement Danny Burne. Danny Boone est de retour à l'Olympia avec son fameux spectacle qu'il tourne aussi à travers la France, à Metz, Nancy, Dijon, Nice au mois de mars et au Festival Printemps du Rire à Toulouse le 28 mars prochain, avant l'Olympia du 5 au 30 avril. Vous avez modifié des choses depuis la dernière fois, parce que déjà passé à Paris avec ce spectacle, évidemment. Oui,
Oui, oui, bien sûr, le spectacle est vivant, donc il évolue. C'est une bonne réponse. Merci. Des nouveaux sketchs, je m'amuse, quoi. Beaucoup, beaucoup ou pas beaucoup? Je m'amuse beaucoup, oui. Tant mieux. Vous amusez en tout cas beaucoup le public, on va le constater tout de suite dans un extrait du spectacle. Weka, à l'Olympia. La Poste! La Poste, c'est du délire! La Poste, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera. Mais la Poste! Rien que la pub de la Poste. Bouger avec la Poste. Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste. Hein. S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est dans les postes. Faut minimum 2h30 pour faire peser timbrer une lettre. Des fois ça prend la journée. Tu rentres chez toi, t'es comme ça. Ta femme te dit, mais t'étais où, hein? Ben j'ai bougé. Mais il y a pire que ça, la poste, il y a pire que ça. Il y a le retrait de recommandé. Ça, c'est une invention de vicieux, ça, le retrait de recommandé. Parce que quand on y réfléchit bien, à la poste, pour le recommander, il paye quelqu'un pour l'amener jusqu'à chez toi pendant les heures où tu travailles. Et comme t'es pas là, ils repartent avec. C'est pas un truc de vicieux, ça? Aidez le Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez ma région. Il faut aider le Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Il y a des ch'timis dans la salle? Aux places les moins chères, évidemment. Faut aider le Nord-Pas-de-Calais, je vous en supplie. L'été prochain, partez en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, vous verrez, juillet, août, il n'y a personne. Même nous, on s'en va. Là, vous vous moquez un peu de votre région, le Nord-Pas-de-Calais, qui vous est quand même cher. D'ailleurs, l'accent ch'ti, vous l'aviez dans le fameux film de Christian Carion, Joyeux Noël. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous êtes allé à Los Angeles pour les Oscars avec l'équipe du film, Diane Kruger, Guillaume Canet et les autres? Est-ce que vous avez fait le voyage? Non. Non? Non, parce que je tournais avec Patrice Lecomte, du coup, c'était un peu serré pour y aller, puis j'avais pas des bonnes places. Oui, le Nord-Pas-de-Calais à Los Angeles, il est place mal. Oui, c'est vrai, j'avais pas des bonnes places. J'étais pas sûr de manger, ils m'ont dit. Vous tournez actuellement Mon meilleur ami avec Patrice Lecomte. Je veux dire que vous n'arrêtez pas là, de tourner au cinéma. Il y a aussi un film qui s'appelle La Doublure, qui est le nouveau film de Francis Weber. Ça sort le 29 mars, en tout cas, La Doublure avec Danny Boone. Et il aura un mois d'avril très chargé, puisqu'il sera sur scène tous les soirs, Danny, à l'Olympia. Enfin, tous les soirs, il y aura un relâche le lundi, peut-être, quand même. Je joue du mercredi au dimanche. Du mercredi au dimanche. Pourquoi pas le mardi, dites donc? Pour avoir un bon week-end. Jean-Luc Lemoine. Non, moi, j'aime beaucoup Danny Boone depuis longtemps. J'ai vu des premières scènes quand il commençait au Café de la Gare. Et je vois ça, il y a une espèce de légende sur Danny. Il paraît qu'il était très bluffant sur ses premiers sketchs, mais il paraît que ton premier spectacle qui s'est passé au Movies, tu l'as vendu alors que le spectacle n'était pas écrit. Donc, oui, il était programmé, il n'avait pas de sketch. Oui, juste, oui, sur sa personnalité. Oui, et le problème, c'est que le responsable de la salle m'a dit, Richard Calfa m'a dit, faut venir chez moi pour me montrer le spectacle, pour que je le lise. Et je dis non, je ne vais pas te le faire lire, je vais l'amener. Et je n'avais pas fini. Et donc j'ai commencé à lire, à se dire, voilà, il y a ce qu'est. Et après je vais faire comme ça après. Et après, je reviens et il y en a d'autres. Mais il dit quoi? Oui, des sketchs, tout ça, drôle. Et j'avais qu'une demi-heure de spectacle. Mais le challenge m'a fait écrire très vite et très mal. Il a fait confiance à chacun. Enfin, Christine? Moi, quand j'ai vu arriver Danny Boone dans l'univers des comics, j'ai trouvé très atypique, parce qu'il était différent des autres, il créait des personnages, il inventait, il était pour moi le pendant masculin de Valérie Lemercier. C'est-à-dire ces espèces de gens assez pince sans rire, qui ont l'air assez tristes et qui sont des opilants. Donc effectivement, j'ai été vraiment très fan. Alors je vous fais quand même un reproche, Danny, c'est que vous avez fait un spectacle qui s'appelle La Vie de Chantier. Ouais. Mon papa était maçon, vous vilipendez les ouvriers du bâtiment. Votre maman est femme de ménage. J'en aurais à dire, moi, sur mes femmes de ménage, si je voulais. Non, c'était pour faire un effet comique. Ça, non, mais c'est vrai. Vous passez quand vous voulez. Le Movies vient de nous appeler, c'est quand vous voulez. C'est vrai,
vrai que votre papa était maçon, quoi. Votre papa était maçon. Bien sûr, ouais. Et oui, on est. Mais j'ai eu des réactions après la pièce d'ouvriers qui m'ont vu dans la rue, qui m'ont fait tu me dois des droits d'auteur, toi. Christophe Alévèque. Oh, bah, il mérite. Et puis ça fait un chômeur de moins dans le Pas-de-Calais. Non, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'animation. Allez, c'est ça, en fait, il suit Martine Aubry, il ne travaille pas le mardi parce que vous faites les 35 heures à l'Olympia. C'est elle qui m'oblige. Ouais. Le stade de foot de Lille, c'est toi. Non, moi, je l'ai suivi. Ses débuts, on était souvent ensemble et comme ça. Moi, il m'a bluffé parce que j'ai entendu dire il y a un mec qui fait rire avec la dépression. Oui. Et je me suis dit, putain, lui, il va finir. C'est où il finit, en HP ou en haut de l'affiche. Et puis finalement, bon, bah. Alors. En haut de l'affiche à l'HP. Ouais. On va quand même vérifier si vous allez mieux maintenant, Danny Boone. Pour ça, on a quelqu'un, autre psychologue, qui fait des tests aux invités, c'est Stevie Boulet. Un petit test pour connaître vos priorités dans la vie. Donc, ça, il se passe 5 choses en même temps, nous sommes chez vous. Ouais. D'accord. Je vous donne 1, le téléphone sonne. 2, le bébé pleure. 3, quelqu'un frappe ou sonne à la porte. 4, vous avez suspendu le linge dehors et il commence à pleuvoir. 5, vous avez laissé le robinet ouvert dans la cuisine et l'eau commence à déborder. Dans quel ordre régleriez-vous ces problèmes? Alors, en 1, priorité absolue. Le bébé. Un bébé, ok. Ensuite Le linge, non, l'eau. Ah oui. J'arrête 2. L'eau. Ensuite. Je vais ouvrir la porte. Ok. Donc, il ouvrir reste... qui c'est? Le linge et le téléphone. Je sens que ça va être scientifique, cette histoire. Ouais. Et le linge... Le téléphone, peut-être d'abord, non? Le téléphone tout en allant au linge. Donc le téléphone et tout le linge. Tout en allant au linge. Donc, quelqu'un a envoyé le gars qui a sonné au linge. Ouais, ouais, c'est pas Alors, vos priorités dans la vie sont... Donc, vous m'avez dit, 1, le bébé. Pour vous, c'est la famille prioritaire. C'est dingue, ensuite, c'est bien fait, putain. Ouais. Attends, c'est pas fini. Ah, c'est deux, dingue. Vous m'avez dit l'eau, donc ouais. C'est le sexe. Ah. Ah. Ah ouais. 3, la porte. La porte correspond aux amis. Les amis. Alors, ensuite, 4, le téléphone. C'est le travail. Ah, le travail. Le travail. Et enfin, 5, c'est le linge. Donc, en fin de compte... Et le linge, c'est quoi? Le linge, pardon, c'est quoi le linge? C'est l'argent. C'est la machine à la Donc, en fin de compte, dans votre ordre à vous, c'est la famille, ensuite le sexe. Avec des amis. Ensuite, les amis. Ensuite, la famille. Et ensuite, l'argent. Le linge, l'argent. Donc, voilà, bah, c'est plutôt une bonne... Mais c'est un bon vrai gars du Nord, parce qu'un gars du Nord, il aurait pas répondu ça. Pourquoi c'est pas un vrai gars du Nord? Non, un gars du Nord, il arrête l'eau en premier. Dani, je sais pas, si on a souvent fait votre portrait, j'imagine que déjà dans différentes émissions, vous avez eu le droit à votre portrait, mais le portrait en images et surtout en photos, de vraies photos de votre parcours, ça, c'est signé Jean-Luc Lemoine. Avant de commencer le portrait, un petit jeu. Qui se trouve sur cette photo? A. Les Jackson 5, les frères Jackson du Nord-Pas-de-Calais. B. Le fan club de Robert Herbin, le mythique entraîneur de Saint-Étienne. C. La famille de Danny Boone. Gagné, c'est Danny Boone. On dit que ceux qui ont un grand front sont intelligents. Enfant, Danny était très intelligent. Et espiègle. Disons la vérité, le petit Daniel était différent des autres enfants. Là, il a 2 ans et déjà les jambes de Claudia Schiffer. Et c'est cette différence qui va faire sa force et décider de son avenir. Danny doit faire du spectacle. Il quitte le Nord et monte à Paris. Les premiers essais ne sont pas très concluants. En plus, les temps sont durs et il faut bien trouver de l'argent pour payer l'électricité. Même au service militaire, on lui refile du vieux matériel dont plus personne ne veut. Danny déprime et se demande quand tout cela va cesser. En fait, il entrevoit le bout du tunnel grâce à une idée de génie. Au lieu de déprimer tout seul dans son coin, il va déprimer sur scène. Eh oui, en criant partout « je vais bien, tout va bien », Danny prend son envol. En quelques mois, il passe des scènes ouvertes du Café de la Gare aux prestigieuses Olympia. Danny Boone est devenu une star. Du succès et donc de l'argent. La preuve en image. Au début, il avait un vieux téléphone avec fil. Après, pépette en rentrant, il est passé au sans fil. Puis à la technologie Bluetooth. Maintenant, il a tellement d'argent qu'il s'est acheté le dernier gadget à la mode, le portable en forme de femme enceinte. Tu écoutes au niveau du ventre et tu parles dans la main. La classe. Danny est une vedette qui rencontre d'autres vedettes. Résultat, une belle histoire d'amour avec Judith Godrèche, pendant laquelle Danny semble libre de ses mouvements. Heureux comme jamais. En un mot, épanoui. Le problème, c'est qu'un couple connu attire les photographes et on parle bientôt plus de leur histoire que de leur travail.
on oublie presque que Dany est une bête de scène, osant tout en spectacle, même une imitation de la greffée du visage. Mais hélas, toutes les histoires ont une fin. Les deux vedettes se séparent. Dany est anéanti. Sa vie ressemble à un immense chantier, mais il a un plan pour la reconstruire. Une pièce de théâtre et un nouvel amour, la délicieuse Yaël. Yaël et Dany, un couple fusionnel, une passion sans faille. Dany aime sa femme, même s'il fait un peu peur. Là, alors qu'elle est enceinte, il s'apprête à la balancer par-dessus la rambarde. Mais non, c'était pour rire. Et il peut rire, Dany Boone. Son film va aux Oscars, il remplit les salles alors qu'il ne sait même pas enfiler un kawé, et sa vie privée est une réussite. Bravo, Dany. Devant tout ce bonheur, maintenant, c'est nous qui sommes déprimés. Est-ce que vous aimez le football, Dany Boone? Oui, oui, j'aime bien le... Est-ce que vous étiez à la soirée d'inauguration d'un nouveau restaurant, un restaurant qui appartient au footballeur Makelele? C'était dimanche 26 février dernier, vous étiez invité? Non. Oh, c'est dommage, il y avait Noémie Lenoir et... Eh ben voilà, j'aime plus le football. Noémie Lenoir et le footballeur Makelele qui avaient invité tous leurs amis dans ce restaurant, entre autres Zinedine Zidane était présent, mais aussi quelqu'un qu'on va recevoir et accueillir sur notre plateau maintenant, quelqu'un qui vient aussi nous présenter ce DVD, le DVD d'un club où il a joué, la légende du Real de Madrid. Lui, évidemment, il a été champion du monde avec l'équipe de France de football. Il a gagné la Ligue des champions, l'Euro, le Mondial. Il a même gagné une superbe femme qu'on aime tous, qui s'appelle Adriana. Lui, c'est Christian Carambe. Sérieusement, vous regardez les matchs ou pas? Oui, je regarde les matchs, oui. Bah, vous connaissez le Real de Madrid, quand même. J'ai regardé d'ailleurs l'OM jouer, là. Non, mais contre le Paris Saint-Germain? Non. Le Zénith. Ah, vous parlez... Parce qu'ils ne sont pas allés au Paris Saint-Germain pour reposer les joueurs. Ah oui. Pour ne pas perdre contre Moscou, là. Et ils ont perdu. Le Real de Madrid ne va pas très bien en ce moment, Christian. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, le président... a démissionné, et en Coupe d'Europe, même chose. Aussi disqualifié par Arsenal, qui est une très bonne équipe d'ailleurs. Ouais, mais on ne comprend pas, parce qu'ils ont quand même les meilleurs joueurs au monde. C'est un mais club qui coûte dire, très cher. Justement. Heureusement qu'il y a le roi derrière pour renflouer, mais sinon, bonjour les dettes. Pourquoi hein. Pour renflouer les comptes. Pour renflouer les comptes. Renflouer. Renflouer. Renflouer, ça se dit, non? Renflouer. Bah, c'est ce que je dis. Non, 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 la malhonnête. On n'entend pas Noël. Je vais te renflouer, moi, tu vas voir. La légende du Real de Madrid, ça c'est un bon souvenir, le passage au Real? Très bon souvenir. En plus, vous étiez motivé pour y aller, parce qu'à l'époque, vous étiez à la Sampdoria de jeunes et vous étiez mis à l'écart du groupe pour jouer au Real Madrid. Je ne me suis pas mis à l'écart du groupe, le président m'a mis à l'écart du groupe. Voilà. Est-ce que vous irez en Allemagne supporter l'équipe de France de football pendant le Mondial prochain, au mois de juin? J'y serai, enfin, j'espère être présent, mais en même temps, je serai... dans mon imaginaire aussi, dans mon cœur avec l'équipe de France. Oui. Parce que vous êtes vraiment à la retraite du football là maintenant, c'est j'y sûr. J'y suis, oui. C'est pourquoi je suis là avec vous. Donc. Il est boulanger, ça, j'ai appris ça sur le plateau l'autre jour de Marc-Olivier Fogiel. Vous êtes boulanger. Disons que j'ai repris les rênes de mon grand-père, voilà. Voilà, il est boulanger. Ah, boulanger. Il y a donc la femme du boulanger. Aussi. Adriana, on l'appelle la pomponnette maintenant. Est-ce que vous étiez le fameux dimanche 26 février, donc, comme ça a été annoncé dans la presse, à l'inauguration du restaurant de votre copain Makelele? Claude, j'y étais avant et après. Il paraît qu'il y a de très belles femmes qui vous accueillent. Aussi, c'est normal, il faut attirer la clientèle besoin, aussi. Pardon? Il n'a pas besoin, Christian. Non, mais il faut... Non, mais je crois que quand c'est la Rolls, autant avoir de la belle... Écoutez, on va mécanique, je dirais. On va en savoir plus, parce que Valérie Mérès et Jean-Luc Lemoine, on les a envoyés à l'inauguration de ce restaurant, un restaurant où tout le monde du football, j'imagine, était au rendez-vous. Ils y étaient presque, Jean-Luc Lemoine et Valérie Mérès. Eh oui, Laurent. Donc, dimanche 26 février avait lieu l'inauguration du nouveau restaurant de Claude Makelele. Donc, avec Valérie, évidemment, pour faire honneur à l'émission, on s'était mis sur notre 31. Ouais, et ben, ils nous ont pas laissé entrer. Eh oui, Laurent, c'est un restaurant de footballeurs. Donc, surtout, on n'avait pas la bonne coupe de cheveux. Voilà, ceux qui sont rentrés, ils étaient comme ça. Eh oui, court dessus, long derrière, était le roi de la soirée. Christian, lui, il n'était pas là parce qu'il était, il répétait sa future revue aux Folies Bergères. Zidane n'a pas pu venir non plus parce qu'il savait pas trop comment s'habiller. Le restaurant s'appelle le Royce. Sans doute en hommage à la célèbre voiture de luxe. Hein.
Ah bon, moi je croyais que c'était à cause de l'animal. Quel animal? Bah, le rhinocéros. Bon, on va revenir à la soirée. Bon, d'accord. Bon, alors dans le hall, les invités étaient accueillis par Claude Makélélé et sa compagne, qui est superbe, Noémie Lenoir. Et c'est vrai que quand on la voit, Noémie Lenoir, on se dit, Makélélé est belle. Merci pour ce rire spontané. Remarquez, c'est vrai, hein, quand on voit les compagnes de Claude Makélélé et Christian... D'ailleurs, s'il a besoin, moi, je veux bien garder son sac. Hein. Je l'ai gardé, moi. Donc, quand on voit leur compagne, on se dit que d'être footballeur, eh ben, c'est pas désagréable comme métier. Mais attention, faut relativiser. Non, ça marche. Il suffit pas d'être footballeur pour avoir comme compagne un canon. Non. Si t'es bon comme Figo, par exemple, tu peux espérer une femme comme ça. Si t'es un joueur moyen de Ligue 1, tu dois te contenter de ça. Et si tu joues comme moi, eh ben, faut pas rêver, t'auras ça. Ouais, ben, ça prouve que les mannequins s'y connaissent en foot. Mais tout à fait, Valérie. Ouais. Et puis, attention, pour réconforter tous ceux qui jalousent Christian, il faut dire quand même, Christian, que c'est pas facile de vivre tous les jours avec la femme qui a les plus grandes jambes du monde. Il faut dire, Laurent, que le foot est moins macho depuis quelques années. C'est vrai. Oui, un petit peu moins bourrin. Les joueurs sont plus sensibles. Ils laissent sortir leur féminité, comme on va le voir sur cette photo de match. Voilà, c'est les joueurs argentins. Bref, dans la soirée, il y avait plein de people. Ah. Une chose exceptionnelle, il y avait au moins 3 Miss France. Sophie Talman, Sylvie Tellier et Alexandra Rosenfeld. Malheureusement, elles ont dû être confinées dans un carré VIP à part, comme on va le voir. Il y avait aussi Diana de l'île de la Tentation qui a réussi sa reconversion dans le commerce puisqu'elle est maintenant représentante en nichon. Il y avait aussi le célèbre philosophe Jean-Luc Reichmann qui était venu avec 2 stagiaires de sa boîte de prod. Moi, j'ai vu le footballeur Thierry Henry. Oh, par contre, qu'est-ce qu'il a grossi. Ah oui. Non. Non, ça, c'est Magloire de M6. Hein, c'est... Ah, d'accord. En fait, il y avait tous les people en vue, tous ceux qui sont dans l'actualité. Il y avait même le chat touché par le H5N1. Oh, en parlant d'animaux, j'ai vu Franck Leboeuf. Voilà. Emmanuel Petit s'est fait excuser car il a eu un petit accident. Emmanuel Petit en match. Victoria Beckham était là, de plus en plus maigre, mais toujours aussi sportive. Bref, pour finir, on va finir sur les people quand même. Alors, dans une soirée, pour qu'elle soit réussie, il faut toujours des has-been, pour donner l'impression... Dites donc ça, il y a la grippe aviaire, touche le cochon aussi. Il y a une mutation. Le virus a muté. Donc il faut des has-been pour donner l'impression aux autres people qui sont importants. Et ce soir, il y en a un qui a décomplexé tout le monde. Ah, dans le genre, j'ai vu aussi Claude Sarraute qui est une fan de foot, hein, comme on peut le voir sur cette photo. Bon, on va parler cuisine un petit peu. Il y avait de la loutre grillée. C'est comme pour les homards, on pouvait les voir, on pouvait les choisir avant de les faire cuire. Mais non, mais non. Vous auriez voulu en manger. Hein. C'est pas vrai, il n'y a pas ça au menu. Mais non, c'était des bébés loutres que Noémie Lenoir avait amené pour une campagne de lutte contre la fourrure. Ah, je me disais que c'était lourd à digérer. Hein. Et puis ça laisse des poils entre les dents, c'est horrible. Ah ouais, il n'y a pas que ça. La classe. En tout cas, je crois qu'on peut dire... Oh non, Christine, non pas. On peut dire que ce lancement était une réussite, hein. Christian pourra confirmer. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on sait que la reconversion d'un joueur de foot, c'est pas simple. On va montrer quelques petits exemples pour finir. Déjà Michel Platini, qu'on aime tous ici, qui s'est reconverti dans la vente de voitures de sport. Pascal Olmeta, qui s'est lancé dans le business de la volaille. Christophe Robert, qui s'était fait connaître durant l'affaire VAOM pour avoir enterré de l'argent dans son jardin. Eh ben, il n'a pas perdu la main, il cherche toujours, au cas où. Quant à Marcel Desailly, ben, il continue à faire de la pub, mais après avoir arrêté le sport, toute sa grosse tête est tombée sur le corps. Voilà, ça c'est Marcel. Là, Christian, il sait pas. Il sait pas s'il peut réagir là-dessus. Suite à son accident, Emmanuel Petit a changé de sexe. Et Dominique Rocheteau vit dans un asile psychiatrique. Donc, Christian, bonne chance à vous pour votre nouvelle vie. Merci.
J'ai lu, alors c'est quelque chose qui m'a étonné, que vous aviez 17 frères et sœurs. Oui. Est-ce que vous étiez remplaçant tout de suite ou titulaire dès le départ? Titulaire d'entrée. La légende du Real de Madrid, le meilleur club du 20e siècle, est-ce que ça restera le meilleur club du 21e siècle, le Real de Madrid? Bah, de 60 aujourd'hui. Personnes ne peut l'égaler encore. À 9 il y a le PSG, mais il y a encore un peu de boulot là. Il y a un peu de boulot pour le PSG, mais il bosse. Et vous embrasserez pour nous Adriana quand vous la verrez. Je vous dirai. Ah, si vous avez un. Quand vous la verrez. Quoi? Mais attends, il va la voir. Bah, j'imagine qu'il ne se voit pas tous les jours non plus, parce que lui, plus, il fait des vrai. Tas de choses. Elle aussi, elle il se croise. elle, dès qu'il y a un accident sur la route, j'ai vu les photos, elle y va pour faire du bouche à bouche. Allez, on remercie, on applaudit encore, ne serait-ce que pour sa carrière. Christian Carambeau, merci Christian. Retour à vous, Danny Boone, à l'Olympia, avec son fameux... Est-ce que vous êtes sponsorisé par la marque Weka pour le spectacle? Non. Non, ils ont fait faillite. À cause de vous? Oui, suite au sketch. Stevie? Mais pourquoi Weka, justement? Ça par rapport au fait au kawé, quand on range le kawé dans sa poche quand il pleut plus. Ouais. Et que ça, c'est comprimé, la fermeture éclair, elle fait comme ça, elle tremble toute seule tellement c'est assez dedans. Et qu'on tire, on essaie de le fermer, c'est impossible. On force comme un fer, on espère qu'il repleuve pour le remettre tellement c'est galère. Et on a le, à force d'appuyer, on se détruit le doigt. Et dans le pouce, on a le petit, la marque, le petit bitonio, Weka. Ça vient de là. C'est le titre du spectacle à l'Olympia, du 5 au 30 avril. Et je vous l'ai dit, il sera, Danny Boone aussi, à l'affiche du nouveau film de Francis Weber, La Doublure, avec le nouveau pignon Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, j'ai du mal avec son nom, Christine Scott Thomas, qui est la femme trompée, on va dire, Christine Scott Thomas, dans ce film, femme trompée par Daniel Auteuil, qui, lui, a une aventure avec la jolie Alice Taglioni. Et il se trouve que Gad Elmaleh est sur la photo, la fameuse photo prise par des paparazzi au moment... Enfin, c'est toute l'histoire résumée dans la bande-annonce ou dans l'extrait qu'on va voir de La Doublure. Elena. Écoute-moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Alors? Je la connais pas, cette fille. Ah bon? Elle est avec lui. Il faut d'abord retrouver ce type. Et ça devrait pas être trop difficile. Et alors? Il faut qu'ils habitent ensemble. C'est elle? Oui. T'habites vraiment avec elle, alors? Ah bah oui. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi une fille comme ça, avec un type Bonsoir. Comme... Tu me présentes ton ami, chérie? Oui, Richard, Elena. Vous voulez boire quelque chose, Richard? Une bière, ça ira? Elle est pas mal. Sympa, oui. Sympa? Mais t'es malade, quoi? C'est un canon, cette meuf, une bombe! Me dis pas que tu te la fais, putain! Me dis pas que tu te la fais, putain! Ne me dis pas que tu te la fais! Me dis pas que tu te la fais! Bon, bah, je te le dis pas. Mais si, dis-le-moi, bordel! Dis-moi que tu te la fais! Dis-moi que tu te la fais! T'es trop obligé de dormir avec un top modèle pour arrondir ses fins de mois. Faut avouer que c'est dur. Oui, encore avec vous, ça va, mais. Oh, le pauvre, qui est corvé de top modèle. Vous foutez de moi ou quoi? Oui. La doublure, le 29 mars sur les écrans. Des rumeurs, des infos, des scoops sur tout ce qui se passe à Paris et dans le monde. Des approximations aussi. Voilà. C'est grâce à Paul Vermus et ses popolades. Bonjour Paul. Salut Laurent. Pas de loup entre vous, non, parce que samedi dernier avec Jean-Claude Brialy, ça s'est pas très bien chauffé, passé. Ça a chauffé, mais c'est lui qui avait démarré. Hein. Vous n'êtes pas fâché avec Paul Vermus? Pauvre con, va. Sur un autre ton. Hein. Non, pas du tout. Non, non. Tout va bien. Ah non, non. C'est... Le souvenir de le voir chaque année, vous savez, les ch'tis de Lille se retrouvent, oui, à Paris. Il y a une grande fête avec tous les Lillois. J'en fais partie, bien que je sois au Poids du Nord, et on a passé de moments merveilleux. Vous y allez pour bouffer gratos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous raconte, c'est là où je vois régulièrement. Alors, quelques infos sur un éventuel remaniement ministériel. Vous êtes déjà au courant, oui, il y a eu une note confidentielle. Ça suffit maintenant. J'aimerais ici qu'à cette table, Laurent, je vous demande de faire le médiateur. Je voudrais juste un tout petit peu de respect. Vous avez en face de vous le seul, peut-être, qui est une carte de presse avec Annie Lemoine, numéro 31. Annie Lemoine. Non, j'ai perdu, Paul. Maintenant, je suis chez les clowns. Ah oui. Bon, enfin, bref, faites quelque chose. Hein. Alors, ça veut dire qu'il y a des ministres qui vont sauter là dans les... Ça veut dire qu'il y a une note confidentielle à Matignon touchant les maillons faibles. Alors, les maillons faibles, quels sont-ils? Alors, le premier, c'est le ministre de la Culture, Renaud Donne-Dieu de Varbre. Alors, il pourrait être remplacé. Alors, il y a eu plusieurs noms qui sont arrivés comme ça.
Il y a Jean d'Ormesson, bien trop vieux. Oh, on parle aussi de la Panaf, Françoise de Panafieux. Ah. Bien qu'elle soit candidate à la mairie de Paris. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, il y a d'autres ministres qui sont dans le collimateur. Philippe Douste-Blazy. Ah. Oui, alors pour le remplacer aux affaires étrangères, vous savez qui pourrait venir. Ça, c'est intéressant. Le retour d'Alain Juppé. Absolument, bravo. Oui, non, c'est bien, hein, ça, c'est bien. Alors, il y en a une qui s'ennuie, c'est Christine Lagarde, c'est le ministre du Commerce extérieur. Vous savez qu'elle était avocate. Ah non, je savais même pas qu'elle existait. Ah, ça, ouais, ah, c'est pour ça qu'elle s'ennuie. Non, mais il serait peut-être temps de Christine le savoir. Christine Lagarde, vous connaissez, Dany? Non, du tout. Ah, ouais, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Alain Juppé, voilà. Ça me dit vaguement quelque chose. Et alors donc, elle était avocate internationale, elle gagnait des fortunes, elle en a marre, elle va partir. Elle veut partir, elle voilà. Elle baisse la garde. Pas mal. Bon, allez. Et alors, il y a... bon, faut savoir que Sarkozy s'en va en décembre, je peux vous l'annoncer. Ouais. 6 mois avant, vous ne saviez pas ça. Ah oui, non. Non. Ben voilà, je vous l'apprends. Tu nous l'avais déjà dit. Non, non, je ne l'ai pas dit, non, 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 il faut m'écouter aujourd'hui. Tu avais dit novembre-décembre, maintenant tu dis décembre. Oh. Bon, enfin, bon, je précise. Pourquoi il s'en va pas avant? Des derniers potins, bon, pas de sur bon, Björn Borg. Voilà, bon, pas, c'est pas neuf, Björn Borg. Non, c'est pas neuf. Il arrête le tennis. Il a tout compris, Dany. C'est ça, les infos de Bermus. Non, ah, c'est pas vrai. Il arrête le tennis. Non, arrêtez, soyez sérieux. Bon, il voudrait pas annoncer qu'il va vendre ses vieilles raquettes. Non, en tous les cas, il va vendre ses trophées de Wimbledon. Ah, c'est exactement ce que je viens de dire, à peu non, près. Vous avez parlé de raquettes, vous n'avez même pas parlé de basket. Allez, une dernière info sur Bill Clinton. Alors là, l'histoire, elle peut faire du bruit. Hein. Ah, elle peut faire du ça bruit. Ça, c'est du lourd? Bah, normalement, c'est du lourd. Elle s'appelle Julia, elle a 38 ans, elle est noire. Et il y aurait comme une love affair entre l'ancien président des États-Unis et Julia. Ça commence, on commence à en parler dans les milieux bien informés de Washington. Et pas que à sous New la York table. Aussi, mais cette fois-ci... L'affaire est quand même beaucoup plus facile, hein. C'est une love affair, comme ça arrive à tous. Oui, mais sauf qu'il est encore avec Hillary, quand même. Oui, mais enfin, on n'est pas, c'est pas le seul, hein. Donc... À être avec Hillary, c'est avec Hillary. Ah, bah, ça, c'est un scoop. Merci, Paul Bermus, bravo pour vos popolades. Merci. À la samedi prochain, ou dans 15 jours. Mon cher Dany Boone. Oui. C'est l'heure d'un moment important dans cette émission. Oui. C'est l'heure de l'interview muette. Vous connaissez l'interview muette? Oui, j'ai vu ça. C'est la vie en objet. Je vais vous montrer plein d'objets. Voici la vie en objet de Dany Boone. Anthony, je commence par ça, Dany. Oui. C'est un livre. Voilà. C'est Jean-François Helberg qui a écrit ce livre qui s'appelle « La filière des enfants ». Voilà, que je viens de lire et qui est absolument bouleversant, qui est un livre magnifique, qui est son histoire. J'ai rencontré Jean-François, c'est un chirurgien, c'est un grand chirurgien. Et il est devenu acteur en jouant dans ma pièce. Il est aussi pianiste de jazz et il a une histoire absolument bouleversante. C'est l'histoire de son père et voilà, et c'est son premier livre. Et comme il n'est pas invité dans beaucoup d'endroits, sauf chez ses amis, mais qui ne diffusent pas à la télévision. Voilà, je voulais dire que c'est mon coup de cœur. Oui, il faut le lire, c'est vrai. Non, c'est un livre magnifique, voilà. Bouleversant, et c'est une histoire vraie, c'est son histoire. Jean-François Helberg, La filière des enfants, c'est chez Lattès. Ça. Ça, c'est parce que j'ai été le plus jeune secouriste de France. C'est vrai? Oui, à 17 ans. Oh, et j'ai été plus jeune secouriste actif. Ah ouais. Je faisais... Parce que les autres, il y a des les gens crevés, ils passent. Non, non. Oui, non, actif, ça veut dire j'allais dans des manifestations pour, comme secouriste. Comme Adriana Carambeur. Pour aider des gens. Et ça, c'est très utile d'ailleurs. Je conseille aux gens de passer le brevet de secouriste, c'est très très utile. Je me suis occupé d'un mec qu'on avait égorgé il n'y a pas longtemps. Oh, c'est pas vrai. Ouais, pour un paquet de clopes. Non, je lui ai fait un point de compression sur le. Et ça l'a pas sauvé. Non, c'est pas vrai. Ça l'a sauvé. Non, ça l'a sauvé. Non, ça l'a sauvé. Non, mais c'est vrai, ça l'a sauvé. Voilà. Stokes. Oh, j'adore. Je pensais quand j'étais chaud, quand t'es gamin. Stokes, c'était un groupe. Arnaud Delbar, d'ailleurs, qui est le directeur de l'Olympia, elle faisait partie de ce groupe. Et c'est un groupe du Nord. J'adore ce qu'ils faisaient et ce qu'ils font. Et j'étais très fan quand j'étais... enfant, voilà. C'est un groupe de Lille. J'ai des ch'tis. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de parler, ça va être la pub. Non, il paraît que vous avez toujours refusé d'en faire. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, je disais... combien? On me disait, ouais, vous proposez de les pubs pour faire des... Hein? Et encore récemment, je disais, combien? Un milliard. Ouh. Non.
Ça, je vois pas. Ça, c'est mon oncle. C'est Eddie Barclay. C'est Eddie Barclay, voilà. Pour le piano ? Non, peut-être vous pouvez aider. Caroline, parce qu'il y a eu plein de femmes. Le jazz. Est-ce que vous prenez le chemin d'Eddie Barclay ? Pas du tout, non. Trois femmes, trois enfants. Ah bah oui, tiens, tu vois, j'ai eu trois femmes, mais je vais en faire d'autres avec Yaël. Et voilà, on est très heureux et je vais rester... Pourquoi que des garçons, c'est par misogynie ou par incompétence ? C'est par... c'est effectivement par grande incompétence. Je n'arrive pas à... C'est vrai. Non, mais Faut changer de position. Eh ben, j'y ai pensé, si figure-toi. On y a pensé. Non, non, oui, je sais pas. Non, non, mais je suis très heureux d'avoir des garçons. Je suis dit que des garçons, on adoptera des filles. Bravo, c'était La Vie en objet de Danny Boone. L'actualité de la semaine, je ne sais pas si vous suivez beaucoup l'actu, si vous, vous lisez les journaux. Oui, tous les oui, jours. Je lis les journaux. Eh bien, peut-être que vous allez revoir quelques infos que vous avez pu lire dans la semaine, mais des infos corrigées et revues par Christophe Alévèque. C'est son bilan de la semaine. Le gros morceau de la semaine, donc, ce n'est pas Christine Bravo, c'est... Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir la jeunesse. Oui, les manifs contre le contrat premier emploi, un contrat premier emploi dont je vous redonne le principe. Par exemple, un jeune embauché chez Kleenex, ça devient un pléonasme. La seule justification à cette réforme foireuse était « c'est mieux que rien ». Oh, et un bon. Alors, réaction du Premier ministre, voilà, eh bien donc il reste sourd et muet, voilà, au dialogue social. Sourd et muet, c'est normal, hein, au gouvernement. Comme dans toute l'administration, il y a le 2% handicapé. Alors, question, comment peut-il s'en sortir? On s'en fout. Il est encore jeune. Alors, sale coup, hein, lui qui encore la semaine dernière chantait dans sa salle de bain. Comme vous voyez déjà, en haut de l'affiche. Eh bien, il a changé de refrain, n'est-ce pas? Je ne sais pas, et je reste planté là. Et bientôt, il chantera ça en boucle. Mal-aimé, je suis le mal-aimé. Bien fait pour ta gueule. Alors, enfin, en attendant, n'est-ce pas? Dominique Villepin, à qui on a souvent reproché de ne pas avoir été élu, donc d'être un homme de cabinet, eh bien, maintenant qu'il est dans la merde, ça devrait lui servir. Donc, un conseil très simple et efficace pour le CPE. Merci. Alors, les autres et les autres, où ils sont? Alors, le président, bon, il y croit encore. Il continue de s'entraîner pour 2007, hein. 34, 37... Alors, il était en voyage, hein, en Arabie Saoudite, hein, voilà, pour décrocher des contrats, hein. Ah, salut Abdallah, t'as plein de pognon, toi, mon couillon. Hein, alors, qu'est-ce que tu vas nous acheter, parce que nous, on en a plus. Eh bien, rien. Il est revenu les mains vides, disons, walou, il m'a rien donné, l'autre arabe, disons. Voilà, alors, Chirac, donc, en visite en Arabie Saoudite avec Bernadette, hein. Voilà, Bernadette, quand voici, ils ont fait tous les efforts possibles, hein, pour respecter donc les coutumes locales. Donc là, elle est habillée coutume locale. Bon, bah, ça change pas trop. Une femme habillée en coutume locale. Donc j'espère que le président ne projette pas de visiter un camp de nudistes. Alors, mais ils sont où, hein? Alors Sarkozy, hein, lui, non. Chaque fois, ça me fait le même effet. Alors lui, on l'a pas entendu sur le contrat premier emploi, hein, dès que ça sent le roussi, hein, on va, alors on le voit ici sortir de sa maison, TF1. Et pourtant... Oui, je n'aime que toi, hein, Louis. Alors, et pourtant, il est à fond pour le contrat premier emploi, mais là, visiblement, un peu moins. Hein. Il est aussi à fond pour être élu, hein, faut pas l'oublier. Il ne va pas tarder à nous dire, finalement, le contrat premier emploi, bon, c'est peut-être une connerie. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Eh oui, il est sympa et attirant, mais... C'est un truand. Merci pour lui. Sinon, juste avant la visite de Sarkozy aux Antilles, allez les moustiques, allez les moustiques, allez les moustiques, ne le loupez pas. Alors, TF1, donc, sa maison, a annoncé donc un scoop.
Eh oui, un Martiniquais présentera le journal de 20h. Hein. Eh oui, le hasard des fois, visite de Sarkozy, Martiniquais, tout ça. Voilà. Harry, donc le Martiniquais, présentera le JT de TF1. Voilà, en juillet. Là, ils n'ont pas stipulé de quelle année. Et puis alors, ce fut cette semaine, donc, la journée de la femme. Le 8 mars. Qui ressemble de plus en plus à s'y méprendre à la journée de la bien-pensance. N'est-ce pas? Le magazine Elle, le magazine le plus intelligent de la Terre, en a profité pour faire un sondage sur les 100 femmes préférées des Françaises. Les Françaises, je stipule, en 1, Sœur Emmanuelle, en 2, Mimi Mati, en 3, Josiane Balasco. Je bande. Alors voilà, eh bien voilà l'exemple typique de genre de blague, eh bien qui est terminée. Alors que la journée de la femme, c'est aussi la journée de l'amour. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Voilà, alors c'est fini. J'ai bien entendu. Oh non. Non mais attends. J'ai bien entendu. Là, je vous signale que je n'étais pas au courant. Voilà. C'est une chanson, voilà. Fini les blagues machistes. Donc du genre, quand on est imbaisable, on a le temps d'être féministe, tout ça. Pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes? Justement parce qu'ils ont une femme. Voilà. Donc fini les blagues. Donc pour finir ce scoop, donc, voilà. Donc alors là, j'y crois à peine, la drogue n'est plus à la mode chez les stars. À mon avis, je suis sceptique, ils ont dû intervertir les mots. Ce serait plutôt ça le titre. Voilà, la mode n'est plus une drogue chez les stars. En tout cas, pour Samy Nasseri, n'est-ce pas, c'est fini. Voilà, il aurait même déclaré « Je n'aime plus les gens qui prennent de la drogue, surtout les douaniers. » Sinon, n'oublions jamais que l'essentiel, c'est vivre ensemble. Restons éveillés, ne confondons pas publicité, propagande, manipulation et information. Pensons, gueulons, râlons, en un mot. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir remettre un coup. Et voilà. C'est à côté de Valérie Mérès que je vais vous demander d'aller vous installer, cher Danny Boone, pour jouer avec nous au Qui c'est qui fait quoi. Bonjour madame, bienvenue, merci d'être sur ce plateau. Je peux même donner le prénom de madame, je pense que ça ne vous aidera pas. Vous vous appelez Marie-Christine. Tout à fait. Marie-Christine, merci d'être là. Vous allez répondre par oui ou par non aux questions des chroniqueurs et de Danny Boone, qui lui aussi va essayer de deviner pourquoi vous étiez dans l'actualité cette semaine. Pour qui? Pourquoi? Qui c'est qui fait quoi? À vous. Est-ce que ça a rapport avec votre métier? Voilà. Oui. Premier indice. Vous êtes né cette année. C'est gentil. Vous avez créé une entreprise le 20 février. Non. Vous êtes une des boulangères de Carambeu? Non, pas du tout. Indice suivant. C'est un indice. Vous pas, êtes la maman d'Étienne Dao. Est-ce qu'il y a un rapport avec Edith Piaf? Parce que là, il y a mon manège à moi. Non. Ah, vous avez... Vous gardez un manège? Enfin, il y a une histoire de manège. Ah, vous gardez un manège. Voilà. Barbapapa. Donc vous êtes une vendeuse de Barbapapa. Vous êtes foraine? Oui. À Paris? Ah. Oui. Au Trocadéro? Non. Oh, vous avez un manège pour enfants? Oui. Dans un jardin? Non. Ah, c'est là, vous êtes la patronne manège au Trocadéro, où il y a eu Brad Pitt et Angelina Jolie qui sont venus, non? Excellente réponse de Stevie Boulet. Le 20 février dernier, effectivement, madame a vu arriver sur son manège Brad Pitt, Angelina Jolie. Et elle a fait tourner Brad Pitt. Oui. Voilà. C'est vous la nouvelle Spielberg, en quelque sorte. Mais alors, racontez, ils étaient tout seuls, il y avait des gardes du corps, ils vous ont dit, on veut réserver le manège que pour nous. Non, ils sont arrivés, tout simplement. C'est le garde du corps qui a pris les tickets. Ils sont montés. Et vous les avez reconnus tout de suite? C'est pas le cousin. Vous n'êtes pas le cousin de Germaine qui tenait le troquet là, l'estaminet qui a fermé il y a pas longtemps. Il aimait pas faire des frites, c'est pour ça qu'il a fermé. Il monte sur le manège, mais est-ce qu'il a une doublure? Ça se passe comment? Non, c'est bien lui qui est monté sur le manège. On a la preuve, hein, regardez le livre, parce que vous avez un livre d'or dans votre manège. Oui. Brad Pitt et Angelina Jolie et toute la famille. Qui a écrit en fait ça? Ça, c'est nous qui l'avons écrit. Ah, d'accord. Lui, il a écrit juste « thank you ». Voilà. Ce qui veut dire « merci hein ». C'est bien de le préciser. Ouais, alors, non, parce que j'ai fait des progrès. Charles.
Mais c'est fou avec le nombre de manèges que j'ai fait, moi, avec mes enfants. On m'a jamais demandé de signer un livre d'or. Faudrait peut-être que tu te poses des questions aussi. Allez, on remercie Marie-Christine Menu. Vous pouvez revenir, Dani. Merci, madame. Dani Boone a eu la gentillesse de passer une partie de ce samedi soir avec nous, quasi une heure, et vous irez, je l'espère, l'applaudir à l'Olympia du 5 au 30 avril prochain. Bonne chance pour l'Olympia. Merci Dani Boone. À la vie de Marie-Michel Bruton.